Hello everybody, the new episode of the Premier League, Anywhere. une compagnie Game Station. Bon voilà, on essaie de parler anglais pour la Premier League. C'est le nouvel épisode en compagnie de Game Station. Je suis quatrième, mais En anglais? je sais pas. Donc, il y a quelque chose de très important qu'on va pouvoir montrer dans cette vidéo. C'est déjà ton calendrier, Qui est très bon. qui est plutôt bon. Non, qui est très bon, on peut le dire. Faut le Bon, la dire. première ligue, il suffit juste de la regarder. On a Tottenham 4e. Et toi, tu coules? Mais bon, c'est normal, Moi, c'est... c'est vraiment normal. Je l'avais dit, beaucoup de difficultés sur le mercato pour renforcer l'équipe. Il y a du lourd, hein, parce que quand on voit le niveau, même Chelsea se retrouve 7e, donc c'est pas étonnant que Nottingham Forest se retrouve dans la zone rouge. Je vais essayer de me maintenir. Ça sera la plus belle chose si j'y arrive. Donc, toi, sur tout le calendrier, c'est pas pour voir la première ligue, c'est pour voir les groupes de la Ligue des Champions. Qualifié. Qualifié en étant premier du groupe. Facile, facile. Avec un nul face à Stuttgart, une victoire 3-0, une victoire 5-2, 2-2, 1-0 et ensuite un partout avec un but d'Alvaro Morata. Le premier depuis que tu l'as acheté. Et ce qui est très important, c'est ça. Ligue des Champions, tirage au sort en direct. La surprise. Alors, Donc on va y aller tout doucement. il y a Barcelone, Mos Chelsea. Moscou, Porto, Juve, Je pense qu'il y en a Galatasaray, que t'aimerais plutôt tomber sur le CSKA ou Olympiakos. l'OSC. Voilà, c'est contre. Déjà pas contre toi vu qu'ils étaient dans le même Valence groupe. Paris, donc comment on veut? T'élimines enfin, t'évites le Paris Saint-Germain. Voilà. Ouh! Ouf, j'ai hâte de voir ça, c'est déjà bon. Malaga Juventus. Aïe, Oh aïe. là 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 là. Zenit Chelsea. Il reste quand même Et Real le. City, hein? Et le Real qui a été éliminé. Est-ce que ça serait contre Lyon? Alors là, ça serait énorme. Le Real a été Le Real éliminé. n'est pas passé. Si tu tombes contre Lyon, je pense que les abonnés, ils vont éclater de rire. Plutôt, ils vont commencer à pleurer parce que déjà que tu les as éliminés en Oui. Europa League. Lyon! Ah Oh oh my putain! God. Ah. Tottenham et Lyon réunis à nouveau. Cette fois-ci, c'est pas en Europa League, c'est en Ligue des Champions. Je vais les filmer comme l'année dernière. Oh On se putain! rappelle. Alors que je perdais 1-0 match aller, j'ai gagné 4-1 et en plus de 4-1, on un score de 8-2 accumulé. Autant dire que Jean-Michel Aulas a perdu ses deux. Pablo Ibáñez demande à transférer, tu te casses tout de suite. C'était sympa avec les J'ai joueurs. besoin d'argent. Il est mauvais, il faut l'accepter. Donc, mon calendrier est très difficile. On s'était quitté sur un T'as pris une match série, une ici, mais série. après, regardez le calendrier. Pas favorable. Liverpool t'a Arsenal. humilié, tiens, c'est clair. 1-0, hein. Arsenal. 3-0, moi je United. t'ai gagné 2-0. À chaque Hein. fois, c'est juste. Hein. L'équipe, il manque pas beaucoup. Ah, je bug. À noter que t'as pris deux défaites pour moi. Il manque pas grand-chose pour essayer de d'accrocher les points. Deux Une petite défaites. défaite contre City, une petite défaite contre Liverpool. Une petite défaite contre moi. On regardera pas celle-là. Une défaite très petite aussi face à Everton. Une victoire qui redonne le moral face à Everton. Concurrente, Sunderland. concurrent, oui, Sunderland, concurrent direct pour la Le petit relégation. match contre West Ham, la petite défaite contre moi. 1-0-0 contre Swansea, ce qui était un bon résultat. Et Et là, tu vois. maintenant, on Et va là. affronter Reading, l'équipe surprise de ce début de saison. Début de deuxième saison, vu qu'on va aller jusqu'à la retraite de Messi. On vous dit ça à chaque fois. Ouais, à chaque fois on nous dit la retraite de Messi, mais quand on quitte le jeu, Messi a 28 ans. Il est un peu trop jeune. Et c'est parti pour la première ligue. Donc toi, quand c'est que tu vas tomber en Ligue des Champions? C'est bientôt ou pas? Ah non, c'est quand même dans longtemps. T'as une bonne série avant de jouer C'est en les. février, donc salut. C'est en février, on est en décembre. T'aurais le temps de te fumer avant. Très peu de temps avant le mercato hivernal. Comment fumer? Bon, ça va, c'est blanc, c'est contrôlé. T'as fait monter le jeune DJ Tiffin, DJ Tiffin. qui a été titulaire en Ligue des Champions, et regardez, ça lui a été très favorable. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Il a fait le premier match de Ligue des Champions. Première victoire. Et une note de 7. J'ai eu des couilles de le. Tu viens faire ta compo? Bon, Parce Lewandowski. que là, t'as quand même des Et oui, blessés. en fait, Gareth Bale s'est blessé 4 mois, donc je pense que à la fin de saison, je vais le vendre parce qu'il a déjà pris 6 mois l'année dernière. Là, il reprend 5 Il est sujet mois. aux blessures, hein, Gareth Il est Bale. souvent bon, mais pour son prix, je préférais un joueur qui soit constant et qui se blesse jamais, donc j'en ai marre. Parce que regardez, rien que la saison dernière, il a joué que 23 matchs. Alors que 30, ouais. Et ça veut dire qu'il fait pas tous les matchs. Il peut jamais faire la saison Quand on entière. voit un mec comme Lloris, regarde le nombre de matchs qu'il a fait l'année dernière. Lloris, il a fait quoi? Il a fait 38, hein. une quarantaine de Donc matchs. il manque 15 matchs pour Bale. Et là, il va en manquer au moins une vingtaine.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que Ben là, ça me Lionel paraît pas trop Hansing, mal. Sigurdsson, Ingolstadt, Van Roo, Vertonghen, L'équipe Immelt, type, Van hein. Breuker, c'est fini, c'est bon, c'est bon. DJ Tiffin, pas remplaçant. Donc lui, c'est vraiment au cas où vraiment il y a un truc. Parce que tout à l'heure, tu avais quand même plus de blessés J'avais avec Hummels et Jungles, et Hummels. Vertonghen blessé. Il manquait du monde. Donc c'était chaud. De mon côté, je suis pas gâté non plus. Didier Roth, ton joueur préféré. Il me manque mon meilleur milieu du monde entier, Guy Moussy. Et Ospina qui est là. Ospina qui est vraiment remarquable. Il a pas pris un pénalty de la saison alors que t'en as commis 5. Ouais, mes défenseurs font beaucoup de fautes, beaucoup de pénalties et Ospina les arrête. Ce qui met un petit peu Sinan Bolat sur le banc alors que j'aurais aimé le faire jouer, mais vu les performances de Ospina, je ne peux pas. Et donc on va jouer comme ça, Alessandrini, Cox, Santa Cruz, MacArthur, Guedoura, Thiago Gomez, Garrido, Alford, Collins, Hoogland, et je vais mettre plutôt Sylvain Armand. Et bon, on joue tout le temps en stratégie de contre vu qu'on est. On n'est pas favori. Voilà. On a du mal. Ils sont septième. On est avant-dernier. Et on va essayer Il y a de la bruine, moi ça. d'inverser Il y a la tendance. 5 degrés. de la bruine. Ça peut faire mal. On est le 21 décembre 2013. Non, c'était pas infaillible non plus. Ouais. Allez les Allez. gars. Allez mes garçons. Il faut. Au minimum ne pas encaisser de but et prendre tous les points possibles, surtout à domicile. Sur la baraque. À domicile, C'est les points les plus faciles à prendre. ouais bon avec mon équipe je m'attends à tout. Les plus rares. Ce qui a souvent été le cas et d'ailleurs t'en étais moins. J'étais trop content, je suis toujours la première équipe à marquer, je mène 1-0 et je perds 2-1. Ou 3. Attention à Guidura, oulala. Guidura. Simon Toc, toc, Cox toc, toc, et la toc. but! Belle lucarne. Et tu grimpes à la 18ème place. Ça grimpe bien, Là. l'escalade. T'as monté une marche. Simon Cox. Hop. Et oui, Santa Cruz qui joue très bien le rôle de pivot. Ospina! Santa Cruz Cruz. qui dévie tout de la tête. Hein. Reading. Et là, si tu gagnes, ce serait le 5ème du championnat, c'est pas mal. Mais bon. J'ai peur. J'ai très Avec peur. Jarvis, Jarvis, Allez, la contre-attaque allez d'Alessandrini! Romain, allez Romain, attention Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz qui va revenir vers Armand, l'ancien parisien, Romain, Thiago Gomez, Gomez, Allez, Armand! Armand, et voilà, on fait bien Voilà, tourner, Hatford, on conserve la balle. bien joué, Santa c'est contre Cruz! Et Guedoura, le but! 2-0! Ça c'est bon, et on monte grâce à la Adnan différence de but. Guedoura, le but du Maghrébin, magnifique, L'international algérien, puisque magnifique. oui, j'ai des internationaux, même s'ils ne sont pas très connus. Et encore Santa Cruz qui joue très bien son rôle de Quel pivot. sang-froid de l'Algérien, quel sang-froid. Qui m'a fait quand même quelques boulettes ces derniers matchs. Tragique, Guedoura. Et pour une fois que j'ai de la chance pendant la vidéo, d'habitude, je gagne souvent en dehors, et dès qu'on filme, je perds. Cox, Alessandrini! Alessandrini, le but. 3-0 à la 40e minute. C'est du jamais vu. Du jamais vu parce que c'est Reading, enfin c'est 5ème. Et c'est l'équipe qui est en dessous de moi, je crois. Quel Ouais, ballon c'est enroulé. l'équipe qui est en Ouais, dessous, les... juste en dessous de moi. ça va t'arranger. Et Alessandrini, quelle Ouais, frappe! ça m'arrange parce que Quelle frappe d'Alessandrini! ça va les faire un peu d'écart avec moi. Et après, moi, je vais foutre la pression à Arsène. Je les pique au vif. Ils ont rien compris, Si je peux 3-0. battre Arsenal, ça m'arrange. Je crois que j'ai déjà perdu Moi, j'ai contre eux. gagné contre eux. Gros match Et d'Adlen. Pogranac qui peut rien faire en face, qui se tape 5-9. La forme est très Bon, bonne. est-ce qu'il faudrait pas maintenant bloquer les verrous? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il faudrait pas fermer la porte à clé pour conserver le score et passer d'être trop Je gourmand? reste en stratégie de contre, c'est-à-dire que ben, je prends pas de risque. Je joue que en contre et ça a l'air de bien marcher. Santa Cruz tellement important dans cet effectif. Mais bon, vu son âge, je vais avoir du mal à le conserver. Très peu d'argent dans les caisses de Nottingham. Et c'est difficile à Santa Cruz, 4-0. Je disais, il n'y a 4 pas, à 0. je disais, il n'y a pas 10 secondes. Ça va faire énormément de bien à un moral de l'équipe qui est très bas. Et au comité, le directeur. Parce que j'ai un moral de l'équipe qui est très mauvais. Et c'est ça qui me fait faire des mauvais C'est quoi résultats. ce jeu? C'est quoi ce jeu magnifique? 5-0. Un but de Jefferson Montero. Voilà, Reading qui est Je vous 5ème. jure que je Reading. m'attendais surtout pas à ça. Parce que je fais que perdre depuis le début de la saison. Et là, c'est exceptionnel. Le champagne est tout prêt dans le frigo, prêt à être sabré. 5 buts contre le 5ème, ça a toute son importance. Ben, j'espère marquer 18 buts contre le 18e. Ouais. On va faire rentrer qui? La fatigue de Roque Santa Cruz, j'en parlais justement. On peut faire personne vu que j'ai très peu d'attaquants à part Harry Kane. Mon joueur. Le Great Khali. C'est mon joueur, non? Non, le frère de l'Undertaker, pardon. Ouais, c'est mon joueur. Ouais, Harry Kane. Oh, je sais pas comment le mettre. Plutôt en attaquant en renard.
pour utiliser sa vitesse et sa technique. Et on va également faire entrer Javier Garrido. C'est un joueur de City. Passé par Manchester Je pense que City. t'es pas loin de la ligue. Je pense que tu peux gagner le match. Je pense aussi, mais Un mec qui met 6 buts en 10 minutes. un maximum de buts serait important parce que vous le savez bien, C'est la diff. la relégation, ça se joue souvent à la différence de Au but. goal Goal average très important. Et surtout ben, pour le moral des joueurs, parce que ça c'est très important. Quand vous êtes dans une spirale de défaite, c'est très difficile d'en sortir. c'est le tourbillon noir. Merci pour ce petit commentaire. En parlant de ça justement, Thiago Gomez, pas Sur la loin. barre, je crois que c'est la barre. Et c'est Ah, fini. ça finit. Et je crois que le club n'avait pas gagné 5-0 depuis que t'es là. Depuis que t'es là, t'as pas gagné 5-0. Je sors de la zone de Grâce relégation. à la différence, bien sûr. Merci, merci. Et Stoke Quick, hein, vient de prendre 4 à 1. Arsenal a perdu, ça peut t'arranger. Yes. Arsenal vient de perdre. City a fait match nul à United, ça m'arrange aussi. Newcastle a gagné, ça m'arrange pas. T'as tout à gagner dans ce match. Attention à Et il Everton. faudrait que moi je gagne 10 degrés. Everton qui m'avait... Djellavid, Genas, Miraz, Benzinga, Jacques, Neville, Owa. Il y a une bonne équipe à Everton, pas facile à jouer, mais tu es à Ouais. domicile. Et encore, on connaît mes tactiques. J'avais gagné 3-1 contre City chez eux. C'est le premier du Et championnat. peut-être que ça va bien commencer, notamment avec Tom C'est Huddleston, Gerson qui va centrer. Et dans les gants de Ward. américain. Attention, contre-attaque de Kevin Le Belge. Miralas. Le Belge. Très très bon. Butner. Et Butner, attention. Ça passe pas, ça passe pas. Sandro, le ouf. Le mastoc, Sandro. Le mentor, le milieu. Attention, Et Miralas. super beau but, Djelavic, quelle passe, quelle Kevin passe. Miralas. Et Lloris qui applaudit les supporters quand on va voir quoi. Non mais la passe est magnifique, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. En tout cas, tu blesses. Tu blesses bien. Et tu es une équipe qui dépend un petit peu de certains joueurs, de certains cadres. Même si Insigné est très bon sur les coups francs de Et loin. voilà. Oh putain, faut aller sur le canal. Hors jeu. Hors jeu. Qui est clair et net, un petit peu comme celui d'Ibrahimovic. J'en parlerai pas. Bon. 0-1 et voilà. Est-ce que c'est l'absence de Willian qui fait un très bon début de saison? Fait des bails aussi. Et de Bale, les deux milieux titulaires d'habitude. Donc tactique, on va passer à deux attaquants. On va passer à Il y a un mauvais Insigne. match à Phil Jones. On va passer à Insigne Insigne qui veut rentrer dans Lewandowski. l'attaque. Sigurdsson va passer à gauche. Ici. Voilà, Sigurdsson va passer à gauche. Et Huddleston. Il y a du choix parce que Vertonghen peut jouer milieu défensif et le carton jaune de Sandro peut être vite remplacé également. Vertonghen, je le mets à gauche. Voilà. Sandro, est-ce qu'il est Parce qu'il y a fatigué? Livermore, hein. Est-ce que Sandro est C'est fatigué? plutôt les Delstone qui fatiguent. Bah, Huddleston Mbélé. Dembélé est blessé. Morata. Et Morata en 10. Morata qui a été bien Voilà, comme préféré ça, ces c'est. derniers temps. Comme ça, c'est bon. Et Morata passe l'outil à l'attaque. Et Insigne non plus passe l'outil. Insigné qui est plutôt un renard des surfaces. Voilà, Voilà, très ok. rapide. Très rapide. Par contre, voilà, là, il n'y a pas le choix. Il faut... Peut-être que tu saisis cette occasion, le fait qu'Arsenal ait perdu. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Le fait que Nottingham Forest soit très en forme. C'était les seules fois où Arsenal perd, moi je perds donc. Aucun bénéfice. Avec la saison que tu as fait l'année dernière, tu peux que essayer de faire mieux. Williams. Mais cette équipe d'Everton est quand même pas facile à jouer. Vraiment pas C'est ma facile à jouer. bête noire, c'est vrai. C'est ouais, à chaque fois qu'on joue contre eux. Ouais. Oh là, quel arrêt d'Uris. Ah non, ouais, quel arrêt d'Uris. T'arrives à battre Manchester City, t'arrives à battre Chelsea. Même offensif. Mais Everton, c'est très difficile. Ils viennent souvent créer l'exploit ici. Ouh, Mulch qui a failli faire n'importe quoi Les là. entends. Il parle encore allemand. Il n'a pas appris l'anglais. Centré par Baines. Et peut-être la contre-attaque. Non. Bah, je pense que tu as la domination du match.
au niveau de la possession, mais après, J'ai pas le réalisme parce que le but de Jones en jeu. le but de Jones, il aurait pu changer la donne. Mais il reste du temps. Il reste du temps, comme on dit. Voilà. Big man. Allez. Et Faut le qu'il temps moi fluide, défile. moi fluide. Le temps défile. Il reste deux remplacements à faire. Vertonghen, est-ce qu'il est à l'aise? Oui, 7,50 est quand même bon. Il est quand même bon. Deux remplacements. Écoute. Assuékoto à gauche, qui est Et tu mets attaque. un joueur qui est plus un latéral offensif. Encore aussi, attaque. Et Kyle Walker. Et le but pour Tottenham, on l'a raté. Les deux. Oh Quelle là erreur là. de Tim J'ai cru Howard. qu'il y avait un jeu qui l'a dit qu'il y avait un jeu. On va le revoir ce but. Est-ce que Tim Howard a réellement fait une boulette? Je pense qu'il a tout juste. Oh là Ah là. oui, énorme boulette vu que Mats Hummels n'avait pas marqué et que si Howard ne l'avait pas touché, il ne serait pas rentré. Allez, c'est encore possible à chercher la victoire. Si tu gagnes, ça sera un peu du cul, comme on dit. Comme on dit dans le jargon. Tu auras le cul rempli de nouilles. Attention. Vers les tags de la table. Qui vont dépasser du slip. Écoute. Assuékoto avec Mats Hummels. Pas de boulette. Voilà. Allez, c'est dur. Ah, si tu marques, t'es cheaté. Allez, c'est dur. Faute. Il est cheaté! Faute. Et là, sur le coup franc, je vais marquer. C'est obligé. C'est obligé. Sur les coups francs de loin comme ça, il a une qualité de Là, passe. elle est très bonne équipe. Qualité? Ouh là Gadja Kalita, qui a dit email sur le coup franc. là. Dis la but. Dis la but. Non. Non, sors pas, Oh Lloris. mon dieu! Oh, la faute de Sandro, le Il n'y a rouge! pas faute. C'est... Oh là, c'est abusé. Les C'est... rouges, la Oh, bagarre, la baston! c'est abusé. Il y a pas... Ça mérite pas du tout un rouge. La douche prématurée pour Sandro, le Brésilien. Il n'y a pas de tacle et tout. C'est du racisme. Sauf qu'il a coupé une action dangereuse. À la fin du match, je peux dire que ça vaut rouge. L'entrée de Jack Livermore pour solidifier la défense. Ouais, bah, passe de Morata et sur le même. Morata qui ressort éventuellement. Obligé pour quand même maintenir ce petit point. Putain de merde, attends, mais te dire que c'est pas comme ça, il y a un coup franc à venir. Ils peuvent marquer, Everton. Et je jouerai le prochain match sans Sandro, c'est sympa. Moi, je trouve que tu as quand même un effectif assez réduit. On a souvent dit dans les vidéos, bravo pour la gestion de l'effectif. Moi, je te trouve un petit peu juste. C'est ça que je suis quatrième pour la Dès que, non, ligue. mais si tu avais un meilleur effectif, tu pourrais jouer le titre. Parce que tu as souvent des blessés. Et dès que tu as des blessés, tu as du mal à... Le titre largement, vu que je gagne City, je gagne Chelsea. Tu bats les meilleurs, sauf que contre... Arsenal. Dès que tu as un blessé, tu perds contre les plus petits. Insigné! Quel arrêt de Tim Génial! Howard! Putain de merde! Entre le but Insigné. en jeu et Ah, son voilà. casque comme ça, j'ai eu trop les boules de Martino. L'Italien insigné face à face. Ouh là là! Oh. Là c'était encore chaud, Putain c'est de Baines merde. qui Déjà que dégage. ça me fout les boules de le match nul, alors si je perds, je t'explique même pas. Donc là t'es plus proche de la victoire. T'es plus proche de la victoire. Vas-y. Allez, Walker, Kai. Allez, ouh là là. Kai. Allez, Kai. Oh, il y avait Lewandowski au second poteau. Les noms, Kai, Lennon, touche le Jones, ballon, les noms, ça change tout. Walker, il accélère! Ouf. Mais il accélère, mais on s'en rigole. C'est la branche à troisième. Allez, on va entrer dans le temps additionnel de ce match. Non, c'est fini. Il reste 10 secondes. Dernière attaque, 10 secondes. Faut pas siffler. Faut pas siffler. Mais putain! C'est quoi ces Et gens? c'est terminé un partout. C'est quoi ces arbitres, ça? Bon retour de Mats Hummels. Et Tottenham qui chute une petite place Ouais, parce qu'on passe à Newcastle à la diff. Mais derrière on est quand même Newcastle. à 3 points d'Arsenal. Ouais, c'est. Il reste quand même pas mal de temps. 6 points du leader. C'est pas... 6 points du leader. Ouais, 6 points du leader, c'est pas du tout... 7, 8. Ouais, 8, hein. 5 points de City. Sandro suspendu. Petit avertissement quand même, parce que c'est pas. Ça t'a pas aidé. Il accepte, mais faut bien le faire. Non, je te vends. C'est la Surtout le gêne. prix qui vaut. Alors là, ça, c'est vraiment l'énorme surprise. Julie est là pour une fois, les supporters. Il est droit, il est été. Il y a quand même de bonnes stats, Il a été mais... énorme, le joueur qui vaut 4 millions. L'homme qui valait 4 millions. Ouais, il est quand même bon. Il est très bon. Et c'est un résultat qui nous fait beaucoup de bien. Parce On que a gagné. malgré ce 5-0, on est à moins 4. Mais bon, tous ceux qui sont derrière, ils sont à moins 10, Voilà, moins Reading qui 17. revient au 8ème. Reading qui retrouve sa Mais place. je me fais coller au cul par les règles et les buzz.
Et ça va être la fin de cette vidéo. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. On va attaquer le mercato hivernal. Ouais. Et toi, tu as des vues sur les joueurs. Bah moi je vais surtout chercher des prêts vu que j'ai niveau argent, le porte-monnaie est à sec. Tu aurais des vues sur mon petit rose. Ouais bon, Ou peut-être sur DJ Tiffy. tu vas me prêter certains joueurs, je pense, pour me sauver. Surtout que j'en ai pas beaucoup. Non. Ça dépend du budget que j'ai. Mais je pense vendre Bale. Mais tu au Non, moment qu'il cet est été, c'est blessé, cet ouais. été, Du c'est moment vrai. qu'il est blessé, c'est très dur à vendre. Cet été, je vendrai Bale. Je pense que Bale contre Cristiano Ronaldo. Ça peut le faire, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Continuez toujours dans les commentaires à donner un maximum d'informations. De très bons commentaires bien rédigés qui nous expliquent un petit peu tout ça. Qui nous disent comment ça se passe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Oh mon Dieu, on speed à 4 semaines, je suis dans la merde. Tu mettras bois. Heureusement que j'ai deux gardiens identiques, deux très bons gardiens. Et moi aussi, l'infirmerie se remplit. Un joueur de l'équipe type de la semaine, c'est Guidura et Santa Cruz. Et moi, Maxi Mels. Santa Cruz, bon, il marque pas mal, hein. Moi, Maxi Mels. Maxi Mels. Faites chaud. Donc merci de nous avoir suivis. Commentez à fond avec vos claviers et à la Oui. prochaine. Prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir.